appeler le président. C'est bon, je peux appeler le président. Je souhaite que va débuter dans chaque club de la Super D1 et de la région un investissement de chacun dans le coup pour rehausser le niveau de nos gardiens de but. Donc, vous pouvez remercier l'effort de cette semaine et vous donner la félicitation. Je passe la parole à M. l'instructeur Francis. Des remerciements déjà aux stagiaires avec qui j'ai pris énormément de plaisir, même si de temps en temps, je n'étais pas content de certaines actions, de certains comportements, mais j'ai pris beaucoup, beaucoup, beaucoup de plaisir. Monsieur le directeur technique national, monsieur l'inspecteur de la FIFA, chers participants, c'est avec un plaisir que je me retrouve parmi vous ce soir à l'occasion de la clôture du cours de haut niveau de la FIFA pour entraîneur du gardien de but, organisé au profit de notre fédération. Je m'en réjouis particulièrement, car c'est là une fidèle tradition de la volonté de notre fédération de poster toujours le développement de cette importante composante du développement technique chez nous, à laquelle nous attachons une importance de premier ordre, compte tenu de la place qu'occupe le gardien de but dans tout dispositif du football. En effet, de par sa position de dernier rempart d'une équipe, le gardien de but dispose d'une vie d'ensemble sur toute leur digère. Ce statut lui confère une double vocation à la fois défensive et offensive. De dernier bouclier de son équipe et de rampe de lancement des attaques. Il est également, de par toujours cette position privilégiée, le mieux situé pour placer, replacer, recadrer et repositionner ses coéquipiers en toute phase du jeu. C'est dans ce cadre, et conformément à cette constance de notre politique de développement technique, que nous avons demandé et obtenu de la FIFA la tenue de ce cours pour l'animation duquel elle a choisi Monsieur notre ami Francis Fernandez, conseiller technique à la Fédération française de football et inspecteur de la FIFA. Nous tenons ici, à notre nom propre et au nom de toute la communauté de notre football, à le remercier pour avoir accepté d'animer ce cours et de contribuer ainsi au développement de notre football. Nous lui demandons d'être notre interprète auprès de la FIFA et de son président, M. Gianni Infantino, pour leur transmettre nos remerciements et l'expression de notre gratitude pour cette importante contribution à la promotion de notre football, qui illustre la qualité des relations entre notre fédération et l'instance fédérale du football international. Quant à vous, chers participants, tout au long de ces 5 jours, vous avez suivi l'importance exposée sur les thèmes intrinsèques liés au poste du gardien de but et aussi l'actualité telle que la préparation du gardien de but, l'arrêt, le réflexe, les centres, les passes en retrait, la mise en situation, les relances, les plongeons, la coordination et j'en passe. Et c'est l'occasion de louer hautement l'expertise de notre ami. Notre ami Francis Fernandez et son sens de la pédagogie, et je vous exhorte à tirer le maximum de profit de ces exposés, aussi bien théoriques que pratiques, pour être en mesure d'assurer le transfert de ce savoir de manière à la fois fidèle et efficiente à tous les gardiens de vie au sein de vos clubs et de vos ligues. Sur ce, je déclare clos le cours de haut niveau pour les entraîneurs des gardiens de vie organisé par la FIFA au profit de notre fédération. Je vous remercie.